Humainement, l'espérance, on dirait les espoirs, c'est une sorte de projection de ce qu'on désire vers l'avenir. On voudrait quelque chose qu'on n'a pas et donc on le projette. L'espérance chrétienne est bien plus profonde. Saint Paul nous le dit dans une phrase où il dit « L'espérance ne peut pas nous décevoir parce que l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. » Donc l'espérance chrétienne, ça peut sembler étrange, mais l'espérance chrétienne a son centre de gravité dans le présent. C'est ce don de l'Esprit qui nous transforme intérieurement. Et l'espérance veut dire que cet don de l'Esprit que nous avons maintenant va continuer à nous transformer jusqu'à nous porter vers cette création nouvelle que Dieu nous promet. Donc c'est regarder vers l'avenir, mais on le vit déjà dans le présent parce qu'on croit que Dieu est déjà à l'œuvre en nous et ce qu'il nous donne va porter des fruits et des fruits qui vont durer jusqu'à l'éternité.